Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad. Aujourd'hui, on va voir le setup de la Renault RS01 en groupe 3, donc de 2016, en EDP. Alors, on passe à la hauteur de caisse, 70 à l'avant, 80 à l'arrière. Voilà, la voiture est stable, donc là, c'est parfait comme ça. On passe à la barre anti-roulis, 10 à l'avant. Tenez qu'il n'y a pas de problème d'instabilité, on peut se permettre de la mettre à fond, ainsi elle tourne correctement. Là c'est nickel. On passe à la barre anti-roulis à l'arrière, 4, donc une barre plutôt souple à l'arrière pour éviter les survirages. Hein, voilà. Au niveau de la compression à l'avant, 20, et à l'arrière, 20. Donc une extension, une compression souple. Hein. Voilà. Et une extension à 40 à l'avant. Et un peu plus d'extension à l'arrière, 50, ce qui donne pour l'avant 20-40. Donc c'est un petit peu plus rigide, hein, étant donné qu'il y a moins d'extension et un peu plus d'extension de débattement au niveau de des amortisseurs, hein, voilà, 20-50. Au niveau de la fréquence naturelle, 3-20 à l'avant, donc la voiture tourne bien comme ça, correctement. Évitez de mettre trop bas non plus, hein, sinon vous aurez peut-être un petit peu de problème d'instabilité. Donc 3,20 là c'est parfait comme ça, et 3,20 également à l'arrière. Hein. Donc évitez de mettre trop aussi, de mettre un peu trop de fréquence naturelle, 3,20 je trouve que c'est assez, sinon il y aura peut-être éventuellement des problèmes de survirage. Hein. Comme c'est une transmission avec un moteur central, une transmission arrière, donc c'est ténémère. Voilà, donc afin d'éviter les survirages, là j'ai mis un peu moins que d'habitude. Voilà. Au niveau du carrossage, 3,5 à l'avant pour avoir du grip, hein, et 3,5 à l'arrière. Voilà, c'est vraiment pour avoir du grip quand on arrive dans les virages et qu'elle évite de glisser de façon latérale. Là, mais il n'y a pas de problème du tout, donc c'est parfait là. Au niveau du pincement, donc moins 0,10 pour avoir du grip dans les entrées de virage. Et plus 0,20 pour avoir du grip en sortie de virage. Alors, au niveau du couple, moi j'ai mis 31 à l'arrière, l'accélération 30 et sensibilité de freinage 20. Donc après, voilà, ça vous pouvez voir par vous-même, le baisser, le monter, ça vous faites à votre guise. Voilà, comme ça me convenait bien, quoi. Au niveau de la boîte, donc vous achetez votre boîte, n'oubliez pas, hein, la boîte entièrement personnalisable. Une fois que ceci est fait, vous mettez votre vitesse finale à 5000. Une fois que votre vitesse finale est mise à 5000, vous retournez sur votre vitesse de pointe automatique et vous la mettez à 300. Une fois que ceci est fait, mettez la première comme ça, la deuxième, la troisième, la quatrième, 1456, 1306, voilà. Voilà, c'est une boîte parmi les autres, hein. Bon, comme je vous ai dit, hein, les boîtes sont toujours plus ou moins buggées, donc voilà, hein, pour l'instant on fait comme ça là, mais j'espère que la prochaine mise à jour avec le 11, ce petit problème de boîte, hein, qu'il y a, hein, voilà, sur la 6, la 6 ou voire la 7 là, plutôt la 7, donc elle passe rarement, hein, voilà. Donc une voiture sinon plutôt sympathique avec laquelle j'ai pris quand même du plaisir à conduire. Hein. Je trouve que c'est une bonne petite voiture, sympathique. Donc j'espère que ce setup vous plaira. Puis je vous dis à très prochainement. Salut tout le monde. Bye.